Eh bien, salut à tous, je fais cette petite intro pour vous dire que la vidéo qui va suivre, ça va être les trois baptêmes que j'ai pu faire d'un coup. Ils vont s'enchaîner d'affilée. Donc voilà, au lieu de sortir un par un, en plus c'est des vidéos assez courtes, donc j'ai préféré faire une seule vidéo et les regrouper, eh bien, tous ensemble tout simplement. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en venant me le dire dans les commentaires. Et puis, profitez bien de cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pardon, à mes deux Instagram qui s'affichent maintenant sur l'écran et qui sont également en description. Bonne vidéo. C'est parti. Wow. Ça tient. Tu peux, ouais. Wouah. What? Non mais c'est aberrant. C'est incroyable. Ah c'est un... Je me demande combien on va atteindre dans la ligne droite. Ouais, c'est aberrant. Oh, c'est un truc de malade. Ah ouais, ça pousse quand même. Hein. Un petit peu. Hein. C'est une SL quoi? 150. C'est un moteur V6, ouais. 6 cylindres, donc 3 litres 5 V6. Ouais. Préparé à MG et à la 304 chevaux aujourd'hui. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est un beau jouet quoi. C'est un beau jouet. Ouais. Puis en plus de ça, elle est pas trop dégueulasse, donc ça permet de. Oui, c'est sûr. Parce que là. Oh là 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 là! Oh le régal! Comme ça bouge. Ah la ligne droite combien on va atteindre? Ah, lui il est dangereux par contre. Ah. Ouais oui, je dois avouer qu'il est pas très net. Normalement les routes sont bouchées mais là apparemment non. Hein. Ouais. Combien 700 chevaux c'est ça non? 717. 717 d'accord. C'est un 8 compressé non? Le 8 c'est les deux compressés oui. C'est le moteur de la Dodge Charger L4. Ouais. Ah ouais, ça pousse. Je m'attendais pas à ça. On va voir combien on va atteindre. Hein. On est sur du. On va peut-être plus que la McLaren. Wow, comme ça pète quand on passe les rapports. 170. Ouf, le freinage. 170. 170. Oh, c'est un truc de ouf. Oh,
Ouais, comme ça pète, c'est dingue.